Bonjour à tous et bienvenue sur Super Héros et Compagnie pour une nouvelle vidéo de Cars. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir ce jouet de Flash McQueen qui s'appelle Design et Vitesse. En anglais, Design and Drive. Mais dans les rayons des magasins, vous le trouverez beaucoup plus facilement sous le nom de Flash McQueen Transformable. Il s'agit en effet de Flash McQueen qui pourra se transformer en plusieurs versions qui reprennent certaines scènes du dessin animé. On retrouvera notamment Flash McQueen en vision nocturne, Flash McQueen Piston Cup, Flash McQueen avec ses espèces de gros pneus en guise de lunettes, et même un Flash McQueen volant. Voici toutes les pièces qui sont contenues dans la boîte et qui vont nous permettre de transformer notre voiture. Nous avons 1, 2, 3, 4 pare-chocs, un casque, les lunettes en forme de pneus, les lunettes de vision nocturne, un premier aileron et un deuxième qui est déjà actuellement sur la voiture. Nous avons également les ailerons et les réacteurs pour transformer Flash McQueen en avion. Et le voici de plus près. Il est plutôt grand, tout en plastique, mais néanmoins il a l'air extrêmement solide et on le tient vraiment bien en main. Ses roues tournent très bien, donc Flash McQueen roule très facilement. Et il est très détaillé comme on peut le voir. Il a de superbes décorations. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on voit que Flash McQueen roule extrêmement bien et qu'on va pouvoir vraiment bien s'amuser avec. Gacha ! Allez, on va commencer immédiatement par lui changer le pare-choc et lui mettre celui où il tire la langue. Et ça lui donne immédiatement une expression complètement différente. Donc les pièces s'enlèvent très facilement, hein. Vous n'aurez aucun mal à les remplacer tout seul. Je vais terminer par lui mettre son aileron de compétition. Voilà, vous avez vu, c'est très facile. Et le voici en mode Piston Cup. Tout comme dans le dessin animé, lorsque Flash McQueen passe la ligne d'arrivée. Et il est vraiment magnifique. Moi, il me plaît beaucoup comme ça, mais on va quand même essayer un autre pare-choc. Et je vais prendre celui-ci, où il sourit un petit peu. Et là, je vais le transformer en Flash McQueen Vision Nocturne. Et si vous avez vu le dessin animé, je pense que vous vous souviendrez de cette scène. Regardez, je le fixe ici, comme cela, voilà. Et voilà, il est exactement comme dans le dessin animé. Bon alors Flash, est-ce que tu vois au moins quelque chose à travers ces lunettes? Oui? Super! Il est temps à présent de passer à la transformation suivante. Je vais lui mettre ses pneus sur les yeux. Et ça lui donne une expression vraiment très bizarre. On dirait qu'il louche avec ses lunettes. Et voici le pare-choc qui lui donne l'air de ne pas être très content d'avoir ses pneus sur les yeux. Et même ici, franchement, j'adore. C'est vraiment un superbe jouet. Allez, on va lui enlever tout ceci et on va passer à la version que je préfère et où Flash McQueen va se transformer en avion. Et pour ceci, on va devoir lui enlever les côtés, ce que nous n'avions pas fait tout à l'heure. Et là aussi, ça s'enlève très facilement. Voilà, on lui fixe les ailes comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on lui enlève l'aileron pour lui mettre les réacteurs. Et il ne lui reste plus qu'à mettre le casque pour être prêt à décoller. Et voilà, nous avons un Flash McQueen volant. Il est vraiment superbe. C'est vraiment comme ça que je le préfère. Tour de contrôle à Flash McQueen. Autorisation
Au décollage, piste numéro 1. Ouais, Flash McQueen, t'es vraiment le meilleur. Et finalement, vous vous rendrez compte en jouant avec Flash McQueen qu'il y a plus que 5 combinaisons possibles, puisque vous allez pouvoir échanger les pare-chocs, les accessoires, les ailes à l'infini. Et de transformer Flash McQueen selon votre humeur. Comme ici, par exemple, un Flash McQueen volant avec les lunettes de vision nocturne, en tirant la langue, en mettant les lunettes. C'est vraiment à vous de choisir. Bon, là, dans cette version, il a l'air d'être un peu malade ou d'avoir bu un peu trop d'essence. C'est pas bien, Flash McQueen. Allez, on va le retransformer en voiture. Et une fois de plus, c'est vraiment très très facile. Voilà. Mais non, Flash McQueen, arrête de lécher la caméra. Ça ne se fait pas, voyons. Et je n'ai pas résisté à le comparer avec les autres voitures de Flash McQueen que je possède. Il y a Flash McQueen en version radio-commandée et dans sa décoration Ice Racer. Nous avions fait la vidéo il n'y a pas si longtemps. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Et la version miniature de Flash dans une superbe peinture métallisée. Et on voit bien que notre Flash du jour est vraiment le plus grand des trois modèles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en tout cas certain que vous allez adorer ce Flash McQueen transformable. En tout cas, moi, je l'ai adopté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude. Je vous invite également à venir vous abonner, comme je le fais à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur le thème de Cars. Et en attendant, soyez sages. Bye bye.